1823, lors de la réunion de Agudat Israël. Le Rav Meir Shapira de Lublin lance le projet du Daf Hayomi en présence des grands de la génération, dont le Hafetz Chaim. Cette initiative est adoptée immédiatement et se répand auprès de centaines de communautés. Immédiatement, sont organisés des centaines de cours quotidiens pour étudier le Daf Hayomi. Progressivement, des structures se mettent en place pour faciliter et accompagner ce projet si grandiose. En 1998, un visionnaire, Rav Hopstetter, crée l'organisme d'Irshu, avec pour objectif de structurer et renforcer ce projet. Au cours des années, Dirshu devient une référence mondiale pour l'étude du Daf Hayomi, en proposant à des milliers de confrères sur tous les continents de trouver différents programmes d'accompagnement qui permettent ainsi de faire grandir la gloire de la Torah dans le monde entier, en association avec les Kolelim et les Yeshivot partout dans le monde. Ainsi, Dirshu trouve également sa place dans la communauté juive de France. Je suis très heureux de remarquer combien le développement de la Torah, de son étude, prend corps en France par des centaines et des centaines de shiurim organisés partout. Et le renouveau de la Torah est certainement un des plus sensibles dans le pays que nous habitons. Tout était plein avec Kvod Hashem. Kvod Hashem était là partout. Quand est-ce que Kvod Hashem a commencé à diminuer? Kvod Hashem a commencé à diminuer à partir du moment qu'il y a Adam et Chava, ils ont fauté. Des dizaines de confrères de toutes les communautés de Paris, d'Île-de-France et même dans les provinces peuvent en profiter. Dirshu, ce sont des cours de Torah proposés à tout public sur différents niveaux du débutant au plus avancé. Du DAF permet de survoler le chas, d'avoir des notions dans toutes les parties du chas, des notions que par ailleurs on risque d'ignorer totalement si on n'a pas parcouru tout le chas. Ce qu'on retient au travers du Daf Hayomi, c'est des enseignements généraux. On a une culture générale du Talmud, des grands principes, des grandes règles qu'on peut retenir. Mais il est quelque chose de particulier de pouvoir couvrir la totalité du Talmud et d'avoir justement pu avoir le mérite d'étudier tout le chas et de l'avoir parcouru pour avoir une idée générale de tous ces enseignements. Réussir à tenir ce challenge, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'invite les gens à s'imposer une heure et demie de limoud quotidienne. C'est vraiment très important. Et en fait, une fois qu'on adhère au système, j'ai envie de dire, c'est le système qui nous rattrape et on est happé par le système du limoud quotidien, par le Daf Hayomi. Et pour ceux qui aiment ça, j'ai envie de dire, c'est un challenge. Je citerai simplement une remarque qui m'a été faite une fois par un des participants. Il m'a dit une fois: c'est toute ma journée qui est transformée parce qu'elle a commencé par le shiur du Daf. Le Talmud est extrêmement riche et à travers tout le Talmud, on passe énormément de sujets très riches et très variés et on peut arriver à sentir un petit peu de la richesse extraordinaire de la Torah. Et nous, en continuant, en propageant cette étude, on continue le travail, on montre que le peuple d'Israël ne s'éteint jamais et que malgré tous ceux qui ont voulu son extermination, il continue à perdurer, à se développer et se développe de plus en plus. Il y a des cours de Daf Hayomi. Chacun peut aujourd'hui s'associer à ces cours. Il ratsonne que cette étude-là apporte
la Géoula Shlema pour l'ensemble du clan Israël. Amen. Guirchou France a reçu la bénédiction des grands rabbinim de la génération. Pour le 14e cycle du Daf Hayomi, nous encourageons toutes les communautés à rejoindre Guirchou dans ce magnifique projet qui, jusqu'aujourd'hui, se basait sur l'étude quotidienne d'un sujet halakha et à présent proposera un soutien quotidien pour l'étude d'une page de Gemara. Parmi ceux qui sont déjà membres de ce projet, nous vous invitons à devenir des ambassadeurs et proposer à votre entourage de prendre part à ce magnifique programme. Des milliers de familles dans le monde ont vu leur vie changer en adhérant au Daf Hayomi. À présent, Guirchou France se fixe pour objectif de parvenir pour le prochain Siyum HaShas de rassembler des dizaines de milliers de personnes de la communauté juive de France et ensemble se retrouver au Stade de France qui sera déplacé à Jérusalem pour accueillir tous les étudiants du Daf Hayomi. Soyons associés à ce voyage d'élévation et pour la gloire de la Torah.